Central Italy, 750 years before the birth of Christ. Starting on a path that would lead farther than they could ever have imagined, farmers settled at a place on the River Tiber. They called it Rome. It thrived, building legendary roads, encouraging trade with neighboring cities. Life was good, but Rome's citizens hungered for more and developed mighty legions to conquer new lands. The empire grew stronger. None could thwart Rome's destiny. Citizens who enjoyed Rome's unrivaled civilized life. But not every citizen lived in such luxury, leading to riots by the hungry and the poor. But Rome thrived, leaving as proof of its glory spectacular venues for the tough, often dangerous entertainment its people demanded. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour César 3, le jeu de mon enfance, le seul jeu qui vaut la peine d'être joué au monde. Nouveau gouverneur, non, gouverneur, non pas un nouveau gouverneur, je suis LE gouverneur d'Arst. Oui, et pourquoi je sais pas, ah voilà. D'Arst, le seul et unique. Avez, citoyens, que votre formation de gouverneur commence. Vous devez tout d'abord apprendre les bases de la construction d'une colonie romaine. Délimiter des zones d'habitation et vous verrez bientôt des immigrants venir s'installer. Il y a deux moyens simples d'obtenir des informations précieuses sur votre cité. Le premier est de cliquer avec le bouton droit de la souris sur un de vos citoyens. Il vous donnera ainsi son avis sur la cité. Le deuxième est de faire un clic droit sur un de vos bâtiments. Le panneau qui s'affiche alors vous informe sur le fonctionnement de la structure sélectionnée. Il contient également un bouton d'aide au cas où vous désireriez en apprendre plus. Afin de construire une route reliant deux points de la carte, cliquez sur le point de départ et gardez le bouton enfoncé. J'aime pas quand ça spoil les trucs. Alors, première chose. Hop, voilà. C'est simple. Rapide, efficace. C'est la première carte, donc je vais pas me faire chier. C'est quoi les objectifs encore? 150 de population. Bon, ça va aller vite. Et j'espère que elle n'est pas soumise au droit d'auteur cette musique. Pum, pum, pum.
Je vois que j'ai fait une faute d'orthographe assez importante. Voilà, corrigé. Faut attendre que ça atteigne 150. Quoi qu'il n'y a pas assez de bâtiments pour avoir atteint 150, mais c'est parce que les objectifs de mission vont changer certainement. Donc on peut voir, tiens, vous devez augmenter les traits de secteur, bla 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 bla. Ce jeu, il m'a. C'était vraiment le jeu de mon enfance. Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas zoomer encore dans ce jeu. C'est pas un jeu où on zoome. Par contre, on peut tourner la carte. Tiens. Tac, 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 tac. Voilà. Et alors, l'attrait du secteur, là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il n'y a personne, il n'y a plus de personne? On peut regarder les risques d'incendie, voilà. Parce que c'est ce qui va se produire. C'est ce qui va se produire, c'est obligé que ça se produise. Il n'y a pas d'autre solution. Ça doit faire boum! Voilà! Incendie dans la cité, merci! Et maintenant, je peux créer des. Une préfecture! Les préfets qui étaient à l'époque les représentants de la loi. Pompiers, militaires de réserve, enfin voilà quoi. On pouvait les appeler la milice urbaine aussi. Je sais que ça brûle. Je sais que ça brûle. Voilà. Je laisse un petit passage ici. Hop, hop. De toute façon. Hop. Enfin, pff, voilà, tant pis. Hop. Voilà. En fait, on peut au moins être à deux. Il faut une route pour tous les bâtiments, mais elle peut être à deux cases de le truc. Voilà, les ingénieurs, voilà. Ingénieurs qui permettent d'éviter que les bâtiments s'effondrent comme ici. C'est marrant que c'est. Ah, mais non, c'est là qu'on appelle la préfecture qui est tombée, qui a été détruite. Attends, hop. Et on va remettre une préfecture. Par contre, maintenant, on peut créer le Sénat. Oui, le Sénat, là où les décisions politiques et économiques sont prises par des représentants du peuple. Hop, de toute façon. Hop. Ouais, on s'en fout d'être endetté. Tac. Il nous a prêté d'argent. Il dit, ah, mes gouverneurs pensent que l'argent pousse sous les arbres.
en anglais, qu'ils disent forcément, puisque c'est la version anglaise du jeu. Et ça, c'est triste. Hop, c'était quoi? Manque de main-d'œuvre. Ouais. Mais il manquerait pas de main-d'œuvre si les gens ils se bougeaient à venir ici. Voilà, satisfaire les dieux. Je lis pas, hein, parce que je connais la liste de trucs et que ça vaut pas la peine de lire. De toute façon, Neptune, voilà, hop. Mercure, dieu du commerce. Mars, dieu de la guerre. Et qui évite les révoltes aussi. Et Vénus, déesse de l'amour, qui permet de procréer. Ah, mais voilà, enfin des personnes. On a mis du temps. Lui, c'est celui qui va, c'est lui qui récolte les taxes. Un petit peu de... En même temps. Voilà, c'est fini. J'ai réussi. Mission accomplie. 150. 147, oui, 150. Parce que ils n'ont pas compté, mais c'est compté. Félicitations. Je suis heureux de constater que vous avez compris les rudiments. Profitons à présent un peu de votre éducation. J'ai une nouvelle mission à vous confier. En route pour Brindisium. Ouais, merci. Vos priorités sont la sécurité, Le logement. la nourriture et l'eau. Sans logement et sans nourriture, personne ne voudra venir s'installer dans votre cité. Il faut maintenant que vous produisiez de la nourriture. Commencez par construire une ferme sur un terrain fertile, reconnaissable aux petits buissons jaunes qui y poussent. Reliez-la au logement à l'aide d'un chemin. Si les logements sont trop éloignés, aucune main-d'œuvre ne se présentera à la ferme. Construisez ensuite un grenier à proximité. Assurez-vous qu'il dispose également de main-d'œuvre. Lorsque le blé sera mûr, une charrette l'emportera jusqu'au grenier, qui se remplira au fur et à mesure des récoltes. Il suffit de regarder la structure pour avoir une idée de son taux de remplissage. Plus vous voyez de petites fenêtres remplies de nourriture, plus votre grenier est plein. Et le marché, tu expliques pas le marché? Bon. Le marché. Construisez le marché près des greniers. Dès qu'il y aura suffisamment d'employés, il créera des marchands qui marchent le long des routes avoisinantes. L'un de ces marchands transporte de la nourriture du grenier au marché. À condition qu'ils ne soient pas trop éloignés, un autre marchand passe dans la maison pour distribuer de la nourriture. Plus tard, lorsque votre ville possédera des entrepôts avec des biens manufacturés, le marché distribuera ces biens de la même manière que pour la nourriture. Voilà, on y va. Carte 2. Donc, on va commencer par les fermes. 3 fermes, ça devrait suffire. Hop, qu'on relie directement à la route. Et vu que j'aime bien les routes droites, voilà, merci. Voilà, on peut déjà faire une préfecture. Ouais, une préfecture et une étude de un truc ici. Oui, je sais, manque de main-d'œuvre. Merci. Allez. Construire des maisons. Hop, 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 et hop. Voilà. Et à la limite, un peu... Ah non, je peux pas encore. C'est pas grave. Ben... oui, encore un peu de... Voilà, hop, étude, hop, et hop, voilà. On n'a jamais trop de préfecture et de d'études d'ingénieur. Voilà. En fait, quand les cahutes,
Les quand vous faites 4, ben ça peut se transformer en petite, en grande tente, en fait un petit bidonville. Voilà. Je sais pas pourquoi ce live fusionne pas, mais c'est pas grave. Ou c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de personnes? Bon, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas encore assez de personnes. C'est pas grave. On s'en fout. Donc, grenier. Marché. Oui, je pourrais déjà le mettre maintenant. Ouais, bah vas-y, on le met maintenant. Le grenier. Donc, grenier, grenier, grenier. Hop. Voilà. Pam 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 pam. Je sais pas si on m'entend bien, le micro est correct ou pas, mais le souci c'est que je ne sais pas minimiser la fenêtre. Pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux créer? Ça. Je peux pas grand-chose créer pour l'instant. Il faut encore que des événements se créent. Pourrais raser ici. Continuer à augmenter les trucs, les maisons. Je suis sûr qu'on peut optimiser encore plus la place que ça, mais moi je trouve que que 4 maisons comme ça, un puits, c'est le meilleur rendement. On pourrait mettre des maisons cela, mais moi je préfère mettre des jardins. Jardins que je ne peux pas encore utiliser, mais bientôt, bientôt. Cérès, Cérès, déesse de l'agriculture. Ah, est-ce que je mets déjà ça? Je n'ai pas envie de mettre ça maintenant. Quand j'aurai mon premier message, la colère de Dieu, je m'en occuperai. Pour l'instant, je m'en fous. C'est quand même bizarre cela. Pourquoi pourquoi ça évolue pas? Alors, s'il y a bien une chose que je veux. Ah, mais j'ai pas accès. Senna? Le Senna, je préfère le faire de ce côté-là. Bon, parce que là, je vais mettre toutes mes industries. Éloigné. Pour le plaisir. Est-ce que j'ai rattaché la route? Oui, c'est bon. Pam, pam, pam. Ah, ça commence à fonctionner. Bah, et là, le village évolue parce qu'elle a accès au lieu de cul. Quoi? Non, elle ne peut pas évoluer parce qu'elle n'a pas accès au lieu de cul. Mais elle évolue parce qu'elle a la possibilité d'a... Elle a un marché qui la nourrit. On est à combien sur le chômage? 0%, mais forcément. Sinon, j'ai toujours pas accès. Voilà. J'ai oublié que c'était si long le début. Cérès. Allez, parce que c'est. Je vais.
juste mettre ça ici pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident. Et je vais mettre une route ici, voilà. Comment ça évolue? Est-ce que je mettrais pas un deuxième marché? Donc, un marché dans ce coin-là, un marché dans ce coin-là. Ouais, je pense que je vais faire ça. Marché. Marché, marché, marché. Ici. Comme ça, on est sûr d'avoir suffisamment de personnes. Niveau d'estime, 50 pour... Un dinarus de taxe à ce jour, lui, deux denarii. Ah, un danarus, deux dinarii, oui, mais forcément. Ah oui, pluriel. Ah, ça c'est bien ça. Ça permet d'avoir accès à ça. Qui permet d'avoir accès à ça. Et du coup... non, vaut mieux le mettre. Où est-ce que je vais le mettre? Bon, okay. Ouais, je vais le mettre là. C'est le plus simple. Donc, normalement, voilà, ça distribue de l'eau jusqu'ici. Là, vous voyez que mes maisons ont de l'eau. Donc c'est bien. Mais c'est pas de l'eau d'une fontaine, donc les gens ils sont un peu chiants à ce niveau-là. Je pense que je vais le mettre ici. Ici, ça m'a l'air correct. Réservoir. Hop. Fontaine. Non, fontaine, pas fontaine. Aqueduc. Voilà. Et voilà. Et normalement... Ouais, voilà. Alors, tac, tac, tac. Fontaine, tac, tac, et tac. Et donc voilà, grâce à ça, ils évoluent en grande. Lui, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il veut faire chier? Jardin. Oh, oui, merci, manager les terres, mais les jardins. Alors, le jardin. Hop là, voilà. Oh, c'est pas tout.
Est-ce que j'accepte maintenant? Oui, j'accepte. Alors, il m'en manque 4 employés, ça va, ça vient. Oui, forcément, les demandes portées sur des accès de base, loisirs. Oui, j'ai pas de loisirs. Oui, des écoles de théâtre. Théâtre et école de théâtre. Bon, théâtre. École de théâtre, je crois que c'est beaucoup plus grand que le théâtre, donc il faut que je trouve un endroit, une zone pour le mettre. Ah, ici. Bon, ça ira. École de théâtre. Hop. Et le théâtre. Et le théâtre. Voilà, ici. Colère des dieux, c'est ça? Oui, colère des dieux. Neptune. Oups, Neptune. Mais attends. Mon marché qui était là. Je comprends pas, mon marché qui était là, je le détruis. Je sais pas comment il a. Je sais pas pourquoi il a disparu, mais il a disparu. Et donc, théâtre et école de théâtre, c'est bon. Neptune. Voilà, là. Neptune, Mercure, Mars. Et Vénus. Les quatre déités ici, voilà. Pas d'école, pas de bibliothèque. Ben écoute, tu veux une école? Tu veux une école, c'est ça? Ben voilà l'école. Donc au niveau d'employés maintenant c'est 21%. Tout ce que j'ai mis, 21%. 15% maintenant. Peut-être une deuxième école. Ouais, peut-être une deuxième école. Une deuxième école. Bah attends, maintenant qu'il m'a donné accès à ça, autant faire le forum maintenant. Deuxième école ici, voilà. Et préfecture et études d'ingénieur. Voilà. On attend un peu. La colère de Mars, ça ira, ça ira. Alors, qu'est-ce qui empêche d'évoluer? On n'a pas accès de termes. Ah oui, les termes. Je crois qu'il n'y a pas assez d'eau là. Ah si, ça. Ah, si, ça y a de l'eau là, c'est bon. Un deuxième. Des deuxièmes termes. Pour. Deuxième terme pour être sûr, j'ai pas envie de te mettre là. Le mieux ce serait de mettre là, mais je sais. Non. Mais on va mettre là. Hein. 19%! Bah plus de ferme, allez. Ah ben. Matière première, puits d'argile. On va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer à faire du commerce. Matière première.
Puits d'argile. J'ai encore de l'argent, c'est bon. Oups. Fontaine, est-ce que Fontaine... Ah non, c'est pas assez. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Je préfère mettre comme ça et comme ça alors. Pas accès, de... pas accès au réservoir, c'est pas grave. Oups. Oups, 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 oups. Je vais mettre un autre réservoir ici. Et ça ira. Voilà. Oui, qu'est-ce que je veux absolument qu'il y ait toujours, c'est l'eau, le service des eaux, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est l'eau. Hop, hop, et hop. Avec ça, on est bien. Du coup, il me faut un entrepôt que je vais mettre ici. Des jardins pour embellir la zone. Évolution démocratique, couronne de Mars. Entrepôt, grenier, marché. Marché, un marché ici. Oui, mais attends. J'ai oublié ça. Préfecture. Voilà. Étude d'ingénieur. Voilà. Avec ça, ça devrait être bon. On est au coup bien. 2% de chômage. C'est déjà mieux. 0% de chômage. Ah, maintenant, la cité manque de main-d'œuvre. Voilà, le message c'est la cité manque de manœuvre. J'en étais sûr. Il va me falloir un grenier ici. Ici, oui. Pour ordre spéciaux, on va chercher les biens. Voilà. Atelier. Non, pas arme. Atelier. Atelier poterie. Je vais mettre un aqueduc ici au cas où. Voilà, comme ça au moins, si j'en avais besoin à certains moments, j'aurais pas de problème. Tiens, une école ici, tiens. Pourquoi il y a personne qui vient s'installer dans ma ville ? La morosité de votre cité. Quoi, vous n'êtes pas heureux? Une deuxième école de théâtre, peut-être? Un deuxième théâtre?
La morosité, pourquoi vous n'êtes pas content, vous? Voilà, peut-être que ça. Que ça mettra un peu d'ambiance un peu dans la ville. Je vais quand même mettre un nouveau réservoir ici. Comme ça, cette zone-là, elle aura de l'eau. Poterie. Voilà, on va ouvrir une autre commerciale. Je Ils vendent, ils achètent du blé, des boucliers et de la poterie. Voilà. Donc, hop. Vente, poterie. Exporter. Voilà. Pas de limite. Vas-y, exporte. A besoin de son des poteries, d'accord. Bah allez, hein. C'est quoi cette histoire de. Pourquoi il n'y a personne qui vient morosité dans ma cité, mais pourquoi? Pourquoi morosité? Morosité de réserve de nourriture s'épuise. Oui, je sais. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau morosité? Où en sont les dieux là? Charmé, 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 charmé. Qu'est-ce que vous me voulez? Neptune, voilà. École d'enfant, parfait. Anniversaire. Barbier, j'en ai pas de toute façon. Oui, je sais, ça stagne, ça stagne, oui, je sais. C'est pas qui? C'est quoi là? À moins que les objectifs de mission, c'est pas ça. Nourriture 2. Voilà, parce que j'ai besoin de la nourriture soit faite. Et le commerce, l'industrie, commerce 3. Voilà. Après le reste, je m'en fous. Ça ne va pas. Ça ne va pas, celui-là, ça ne va pas. Hop. Une, deux. Ouais, ok. Préfecture. Étude d'ingénieur. Hop, hop.
Donc c'est quoi les objectifs de mission? 650 de population. 150. Ah oh, mais j'aurais déjà atteint 650 en fait si la morosité m'empêchait pas d'avoir des personnes. Ça va, la nourriture rentre, et donc les réserves, ça va. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais des festivals exaltés. Vas-y, donne-moi plus de culture, vas-y. Comme ça, je peux remplir mes... Bien joué, votre cité est désormais dotée d'une industrie furieuse. Vous pouvez maintenant retirer des bénéfices du commerce. Oui, je crois que je l'ai fait trop tôt, en fait. Oui. Je pense que je vais mettre un deuxième forum ici. Comme ça, on est sûr que tout le monde paye cette taxe. Parce que c'est l'heure des taxes. Ah, voilà. Il était temps. Je sais pas ce qui se passait. Les géants immigrent vers la cité. D'accord, c'est bon. Je sais pas ce qui se passait, mais... Et je crois que je vais atteindre les 650 avant l'heure. Avant que la ville soit vraiment une ville. Voilà, j'ai gagné. Ouais. Vous apprenez vite. Vous possédez à présent les compétences requises pour accomplir une véritable mission. À partir de maintenant, vous pourrez choisir l'orientation de votre carrière. Choisissez la province la plus calme pour vous concentrer sur la gestion, ou la plus dangereuse pour affronter les ennemis de Rome. Alors. Une province paisible ou une province un peu agitée? Eh ben je pense qu'on va faire une pause dans le live. Je vais éteindre le live et revenir juste après.